In today's episode, we shall take a searchlight on a pioneer Cameroonian professional footballer who made his career in France. His name, Toto Emmanuel, who was the first ever captain of Cameroon national football team. Toto Emmanuel will tell his story, how he traveled to France, the teams in which he played, and a spectacular scholarship that he got to study in France while he was out there playing professional football. Je travaillais à la SAP de Mbanga comme adjoint au chef de service, le directeur de la SAP de Mbanga. Si bien que quand on a nommé, c'est-à-dire après le vers 1960, après le gouvernement les a demandé de partir. Ok, c'était un Français. Un Français. Ok. C'est lui qui m'a appelé à Bordeaux pour jouer. Pour jouer dans Bordeaux. Dans Bordeaux. C'était 65. Et quand vous êtes arrivé à Bordeaux, c'était comment? Je suis arrivé à Bordeaux. J'ai trouvé tout. Il avait donné des renseignements à tout le monde. Il était même membre de Bordeaux. De Bordeaux. Oh oui. Si bien que j'ai été accueilli. Je suis allé à Bordeaux par le bateau. Ok, par le bateau. Le bateau. À partir des Douala. Oh oui. Ça a pris combien de temps? Trois semaines pour arriver à Bordeaux. 21 jours. Donc vous étiez dans le bateau? Dans le bateau. Avec l'Nkrumah et tout ce monde-là. Et jeune Toto, comment tu as pris ça? Disons que à Bordeaux, j'ai été reçu par la grande équipe de Bordeaux. Et je me suis imposé. Au milieu de terrain ou Je leur ai donné trois positions que je jouais. Voilà. Oui. Si bien que j'ai fait 4 ans à Bordeaux en coupe. Et après 4 ans à Resta à Paris. Donc ce n'est que dans ces deux équipes que vous avez joué comme professionnel? Oui, oui, comme professionnel. Et quand vous étiez à Bordeaux et Resta, bref en France, est-ce qu'on te rappelait pour venir jouer dans l'équipe nationale au Cameroun? Non. J'étais à Bordeaux à la belle époque. Ce n'était pas encore comme aujourd'hui. Aujourd'hui où on pouvait laisser un joueur. De rentrer au pays jouer. Oui. Mais quand tu étais là, tu avais des nouvelles de l'équipe nationale que vous avez laissée derrière. Oui. Je suivais les nouvelles dans les journaux. J'avais un abonnement de journaux qui venait. J'ai laissé la famille au Cameroun. Mais tu venais de temps en temps? Non, ma femme est venue. Est venue à vous rejoindre en France? En France. Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un match, un jour que vous avez joué soit dans Bordeaux ou Red Star et ça vous a donné plaisir? On a joué beaucoup de matchs pour 4 ans. J'ai fait 8 ans. Après, j'ai demandé à Aïdjo une bourse d'État. Ok. Et Aïdjo vous a accordé cette bourse? Ça donne. C'est-à-dire, les nouvelles restent encore jusqu'à aujourd'hui. Ma bourse d'État n'a pas fait un mois. Aïdjo, qui m'a nommé capitaine, il savait qui. Il a signé. Qu'on vous donne la bourse? Qu'on me donne la bourse. Je suis allé à la Banque centrale
J'ai fait le stage à la Banque Centrale. En France. En France. Pendant 4 ans. Quand, car je suis. J'ai coupé seulement. Oui. Quand je fréquentais, je jouais à Bordeaux, je suivais les cours de comptabilité. De comptabilité. Oui. Uh-huh. Et même à Ressa, à Paris, okay. J'ai suivi la comptabilité. Okay. Si bien que Aïdjo, quand il m'a donné une bourse d'État, très cher. Les gens ont crié même à l'ambassade. Que comment est-ce que Toto a eu cette bourse? On lui a dit, on les a dit, l'ambassadeur les a dit, vous ne savez pas qui c'est Toto Emmanuel. C'est le capitaine que Aïdjo a nommé. Il a, ceux-là étaient obligés de devenir. De fermer, d'abandonner. Si bien que quand je suis arrivé à l'ambassade du Cameroun, à Paris, pour la bourse d'État qui n'a pas fait un mois, les gens ont voulu savoir... Comment, par où tu es passé? Qui est là? Qui est ce Toto-là? Toto Emmanuel. Les gens sont venus savoir... Qui c'est Toto Emmanuel ?